Salut famille, comment vous allez? Vous allez devoir m'excuser aujourd'hui hein, parce que j'ai ma fille à côté qui a envie de faire une vidéo aussi. Mais je la protège, j'ai pas envie de l'exposer. Donc vous allez l'entendre par moment dans la vidéo. Voilà. Bon, aujourd'hui on va parler, on va apporter quelques critiques constructives bien sûr à ce 10 ans prémut du grand frère Mola. Prémut 2018. Voilà, il y a eu quelques imperfections, je pense, hein, à mon avis, dans la nomination des artistes, dans la catégorie de nomination en fait. Donc c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. Voilà. Cependant, j'aimerais faire une parenthèse pour dire, effectivement, juste vous annoncer effectivement, vu ce que j'ai vu, sur le mur du grand frère Mola, les artistes qui ont revendiqué sont bel et bien pas nominés à ce Ottawa 2018. On dira Dieu merci pour nous. Au moins, on a fait des vidéos pour demander au grand frère Mola de se faire comprendre en appelant ses jeunes frères et parler quatre sur table, comme on dit, parler en famille. Mais il n'a pas voulu ça. Il a préféré faire la sourde oreille et organiser son mouvement. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est bonne chance. Voilà, franchement, bonne chance. Ok. Donc, j'informe aussi au passage que les fans de la Chine, les fans de Bordeaux, les fans de Kedjivara, de Claire Bailly, de Baby Philippe, et de bien d'autres encore, voici, parce qu'il y a des artistes qui ont été ignorés, mais ça, on ne va pas en faire une polémique. Voilà, ils ne sont pas invités à voter, voilà, parce que vos artistes ne sont pas dedans là-bas. Voilà, parce qu'on s'est dit que si c'était vraiment, pour le couper décalé, malgré le bruit qu'il y avait autour de, cet événement-là, étant le grand frère, il aurait eu solution à ce petit problème-là. Bref, on ne va pas s'attarder sur ça. On va passer directement au sujet du jour. Le sujet du jour, il est sur deux critiques en fait. Voilà, il est sur deux critiques. La première remarque que j'ai vue, c'était au niveau des nominés au meilleur artiste Afrique de l'Ouest francophone. Voilà. J'ai pas compris. Veuillez m'excuser quelques minutes. J'ai pas compris. Dans cette catégorie-là, nous retrouvons Emilio Le Chanceux, Sidiki Diabaté, Bebeto Bongo, Toufan, Faniko, Kandia Kura, Ibawan et Walisek. La question que je me pose, pourquoi ne figure-t-il pas des artistes ivoiriens, si vous voulez précisément même du coupé décalé, dans cette catégorie-là? Parce qu'il y a Serge Bonneau qui est là, même s'il passe son temps à micher ses collègues. Il y a Claire, non, Claire Bailly n'est pas dedans. Il y a Safarel Obiang, il y a DJ Mix qui font partie d'abord un de l'Afrique de l'Ouest qui est francophone. Là, c'est une erreur, je ne sais pas pourquoi. En fait, si on peut nous donner une explication, parce que ça ne fait pas pro. Voilà, on suit des événements sur MTV, sur BET, en tout cas sur beaucoup de plateformes de nomination d'artistes. Ce n'est pas comme ça les choses sont organisées. Donc, je ne sais vraiment pas pourquoi je ne vois pas d'artistes. Comment je vais dire ça, d'artistes, ivoirien dans cette catégorie-là. Et puis deuxième chose, c'est au niveau de la nomination du meilleur artiste, Zouglou. Mais apparemment ici dans cette catégorie, on parle du meilleur artiste groupe Zouglou. Voilà, voici un truc que je remarque partout, c'est que, bien que c'est un genre musical, mais quand il s'agit de groupe, on fait compétir des groupes ensemble. Et des solos ensemble. Quand je parle des solos, c'est-à-dire un artiste Zouglou qui chante seul, on le fait compétir avec des artistes qui chantent seul. Vous comprenez un peu? Et lorsqu'il s'agit d'un groupe, on le fait compétir avec des groupes. Mais ici, apparemment, ils ont mélangé et Molière et les leaders et Zouglou Makers et comment ils s'appellent, Keboké, Révolution, Yabongolova, Bénédiction, les patrons. Ça fait un peu bizarre, ça fait pas intéressant, ça fait pas joli, ça fait pas professionnel pour moi. Voilà, moi je connais pas tout, c'est juste des remarques. Vous avez vos raisons, donc moi j'apporte juste des remarques.
Voilà, donc c'était ça, c'était mes deux petites remarques. J'ai pas envie d'aller loin, sinon on dira que je suis en train de faire encore une mauvaise campagne encore de l'événement. En tout cas, comme vous avez décidé de faire cet événement-là sans les autres, nous on vous souhaite très bonne chance et puis on regarde comment les choses vont se dérouler. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Partagez-la si ça vous a plu et puis on est ensemble.